Voilà, je suis contente de recevoir Françoise Burel, une Bretonne, Bretonne et du Nord aussi un peu. Oui, c'est hein, ça. Un oui. peu les deux, hein, les quand deux, même. Oui. vous êtes née auprès de Lorient. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, membre du laboratoire éco-bio, équipe paysage, changement climatique, biodiversité de l'OSUR. On rappelle ce que c'est l'OSUR ? L'OSUR, c'est l'Observatoire des sciences de l'univers. Donc, c'est un institut de recherche qui rassemble des laboratoires qui travaillent sur l'environnement sur la place de Rennes. Voilà. Alors, vos thématiques sont l'écologie des paysages, la biodiversité, le bocage, la dynamique spatiale, etc. Vous avez reçu, si je dis des bêtises, vous m'arrêtez. Oui, oui. Vous avez reçu le Grand Prix 2015 de la Société française d'écologie pour l'ensemble de vos travaux. En 2009, vous avez aussi obtenu la médaille d'argent du CNRS, vous récompensant en tant que pionnière de l'écologie du paysage en France. On y reviendra. Et nous avons déjà eu le plaisir de vous recevoir, c'était le mardi 16 novembre 2010, pour une conférence consacrée à l'écologie des paysages et à la gestion de l'environnement. Vous avez aussi écrit un ouvrage qui est paru en 1999, oui, maintenant il y a déjà longtemps, sur l'écologie du paysage, concept, méthode, application, avec Jacques Baudry qui est là d'ailleurs, que je salue. Et alors, je me rappelle qu'à l'époque, vous aviez dit que vous alliez faire une suite oui, à cet ouvrage. Ça. Alors, je vous ai posé la question tout à l'heure et vous m'avez répondu... Qu'on s'y attelle. Mais que c'est quelques pas encore... années après. Voilà. C'est toujours dans nos projets, mais c'est long et voilà. Mais bon, c'est dans les projets. C'est dans les tuyaux. Oui, en plus, ce que vous me disiez surtout, c'est que je pense qu'au départ, vous aviez un peu pensé le réactualiser et que finalement, vous êtes lancé dans un travail de plus grande envergure. Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de travaux réalisé ben, en 20 ans, c'est normal, mais c'est une discipline en plein essor et donc on va mettre beaucoup d'idées nouvelles et de résultats nouveaux dans ce nouvel ouvrage. Bon, ben, on aura l'occasion d'en parler quand il sortira. En tout cas, l'autre, j'ai vérifié, il est toujours en vente, oui. C'est toujours une référence, donc vous pouvez être fière du travail que vous avez. Mais il est quand même un peu vieux. Il est un peu dépassé. Il est un peu dépassé. Alors, moi, j'avais envie de connaître et de faire connaître aussi un tout petit peu l'itinéraire qui vous a amené là où vous êtes maintenant, comme je vous ai présenté. En fait, au départ, vous vous destiniez plutôt à faire des études de maths. Vous aimiez beaucoup les maths. Oui, c'est ça. Au départ, j'étais partie vers là. Et puis, finalement, la biologie m'a semblé plus proche de la réalité que les mathématiques. Et donc, je suis partie vers la biologie et puis l'écologie, qui était toute nouvelle en France à cette époque-là. Alors, vous avez fait une école, l'école d'agronomie de Rennes ? Oui, tout à fait. Voilà. Suivi d'une thèse. C'était dans les années 70. Alors, on a beaucoup parlé pendant le repas du remembrement. C'était quelque chose. C'était que dans les années 70, c'était vraiment le démarrage de tout ce... De toutes ces transformations de paysages, oui. Qui ont... Alors, vous apparaissiez donc avec vos idées plus écologistes, etc., comme des perturbateurs ? Ben non, parce qu'en fait, on est arrivé quand même en 1976, c'était la loi pour la protection de la nature, donc qui était quand même une loi du gouvernement français et qui a rendu nécessaires les études d'impact, notamment pour ces remembrements. Oui. Et donc, comme effectivement, on ne savait pas le faire, on s'est attelé un petit peu à développer des méthodes et puis, boule de neige, on a continué en recherche après. Alors, après l'école d'agro que vous avez faite à Rennes, d'ailleurs, oui. Hein, dans les années 70, j'ai bien aimé parce que j'ai lu un texte où vous disiez « Moi, j'ai fait de l'écologie parce que je voulais changer le monde ». Oui. Ah, c'est un bon projet quand même. Hein. Mais nos jeunes étudiants ont toujours cette ambition, ça fait plaisir. Eh ben, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien aussi. Vous avez fait ensuite une thèse sur l'influence, vous me dites si je dis mal, hein, l'influence de l'hétérogénéité du paysage sur la biodiversité. Oui, et on travaille toujours sur ces questions-là. Et voilà, ce sont toujours les mêmes questions et c'est ça dont vous allez nous parler aussi. Vous avez aussi travaillé à l'étranger ?
Et ça, c'était important pour vous aussi. Ça vous a apporté beaucoup, je pense. Ça permet de découvrir un peu comment l'écologie était travaillée, notamment aux États-Unis à cette époque-là, où ils avaient quand même une culture en écologie qui était bien plus développée que ce qu'on pouvait avoir en France. Donc, on a appris énormément pendant notre séjour aux États-Unis. Alors, là, au départ, quand je vous ai invité à venir faire cette conférence sur la proposition de l'OSUR, on m'a dit, ben voilà, il se déroule à Rennes un colloque européen sur le carabe. J'étais un peu perplexe, pour tout vous dire, et curieuse aussi de savoir comment on pouvait parler pendant presque une semaine. Pendant une semaine, oui, de lundi à vendredi. Voilà. Donc, je me suis dit, il y a sûrement des choses à apprendre pour nous tous. Et c'est pour ça que je suis très contente que vous soyez là. Alors, dites-moi juste un petit mot. Vous avez des collègues européens qui sont... Il y en a quelques-uns, oui. Je crois, dans la salle. Oui, je crois qu'il y en a pas mal dans la salle. Et donc, c'est un colloque, c'est le 18e colloque européen de carabidologie. Ça s'appelle comme ça. Carabidologie. C'est joli, non ? Carabidologie. Oui. C'est assez poétique. Qu'est-ce que cette petite bestiole, quand même, à nous apprendre beaucoup de choses, apparemment. Beaucoup de choses, donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter un peu dans l'exposé. Mais il faut savoir que là, il y a donc des collègues de toute l'Europe, peut-être avec une forte représentation d'Europe du Nord et d'Europe de l'Est, mais il y a quand même des gens aussi de l'Europe du Sud, et qu'ils vont présenter, ils vont présenter leurs travaux sur la biologie et l'écologie des carabes. Et donc, on va voir que en fait, ces carabes, donc... Vous en avez un là, comme beau, exemple. Hein. Oui, il est beau. C'est le plus beau. Hein. Et donc, ils ont l'avantage d'être un groupe qui est bien connu, dont on connaît bien la biologie et l'écologie, et qu'ils vont avoir aussi un intérêt, un double intérêt, à la fois en espèces à protéger, donc en biologie de la conservation, et puis aussi, donc, comme on va le voir, dans la protection des cultures, en étant des espèces qui mangent à la fois les graines des mauvaises herbes, des adventices, et puis qui mangent des ennemis des cultures, tels que les pucerons, par exemple. Moi, j'en ai vu souvent dans la nature, mais alors je ne les regarderai plus jamais de la même façon. Et maintenant, je serai très polie avec eux et très gentille avec voilà. eux. Voilà, et on verra qu'il y en a une bonne diversité voilà. et qui ont des rôles différents. Voilà, donc on va entendre cette conférence que vous allez nous proposer. Et puis, bien sûr, tout de suite après, si vous avez des questions à poser, on vous donnera la parole, comme d'habitude. Sachez aussi que cette conférence est enregistrée, qu'elle sera rediffusée sur notre chaîne YouTube à partir de la semaine prochaine grâce à notre équipe vidéo. Alors, il y en a un que vous voyez ici, il y en a quelques-uns qui sont cachés en régie là-bas. Et puis, nos conférences sont aussi rediffusées sur TV Rennes, 3 fois par semaine. Vous verrez sur leur programme quels jours et quelles heures. Merci d'être avec nous, Françoise Burel. Nous Merci, sommes très Maët. Heureux de vous accueillir, d'accueillir une pionnière. Attendez, on n'a pas ça tous les jours quand même. Hein. Bonne soirée à tous et on se retrouve tout à l'heure pour les questions. Voilà, rebonjour, rebonsoir. Donc là, je vais vous présenter cette conférence avec des textes en anglais pour que nos collègues qui ne sont pas francophones puissent suivre cette conférence, mais je vais faire la conférence en français. Donc ça va vous permettre aussi de faire des petites révisions d'anglais. Donc, je voulais d'abord remercier les organisateurs du colloque qui m'ont demandé de faire cet exercice un peu très intéressant, mais qui était un peu difficile, de refaire le point sur les études et les recherches qu'on a menées sur les coléoptères carabiques, sur une zone atelier, un site qu'on appelle la zone atelier armorique, qui est un territoire. Ce qui est labellisé par le CNRS et sur lequel on suit depuis déjà 25 ans l'évolution de la biodiversité en même temps que l'évolution des paysages et l'évolution de l'agriculture. Donc pour commencer, effectivement, comme disait Maët, on se demande ce que sont ces coléoptères carabidés. Donc c'est un groupe d'insectes,
un groupe de coléoptères et pour lequel on a 40 000 espèces dans le monde. Donc vous voyez que c'est un groupe assez diversifié. Il y en a plus de 1 000 en France et 495 ont été recensés dans l'ouest de la France, dont 323 en Bretagne. Donc vous voyez, on a un groupe bien diversifié. Si vous êtes intéressé pour apprendre à identifier les espèces de carabes, peut-être pas ces 323, mais je pense qu'il y en a déjà beaucoup dans cette clé de détermination dont vous avez les coordonnées ici, qui est disponible gratuitement sur le web et qui vous permet d'identifier les carabes. Donc ces carabes, ils sont présents sur tous les continents et ils sont présents depuis le niveau de la mer jusqu'à 5000 mètres d'altitude. Et c'est ce que vous illustre ici ce fort carabe alpiniste qui est parti à la conquête des Andes, par exemple. Comment on identifie les carabes par rapport aux autres espèces d'insectes ? Donc, c'est des coléoptères, ça veut dire qu'ils ont des élytres qui protègent leurs ailes, des élytres durs, et ils se caractérisent par rapport aux autres coléoptères par le fait qu'ils ont des pièces buccales proéminentes, qu'ils ont des antennes fines avec 11 segments pour former ces antennes, et qu'ils ont des tarses ici avec 5 pièces formées de 5 segments. Alors, leur cycle de vie, donc dans nos régions, les carabes se reproduisent à l'automne ou au printemps, selon les espèces. Les œufs sont pondus dans le sol, ici. Ensuite, il y a un développement larvaire avec plusieurs stades larvaires et des larves qui vivent dans le sol ou à la surface du sol et qui sont qui sont prédatrices assez voraces. Et puis ensuite, il y a un stade nymphal et de ce stade nymphal émergent des adultes dont la durée de vie est de 1 ou 2 ans, selon les espèces là aussi. Leur régime alimentaire. Donc la plupart des espèces sont des prédateurs généralistes qui vont se nourrir sur les pucerons, les acariens, les colamboles, les petites limaces. Mais on a aussi quelques espèces qui sont phytophages, c'est-à-dire qui se nourrissent de végétaux et qui vont particulièrement se nourrir de graines. Et comme je le disais tout à l'heure, parmi les graines, ils vont avoir un effet de prédation important sur les graines de mauvaises herbes, les graines d'adventices. Et dans ce cadre-là, ils vont aider les agriculteurs et les jardiniers à lutter contre les mauvaises herbes. Ce sont donc, je vous l'ai dit, des prédateurs généralistes et ils se nourrissent en particulier de petits escargots, comme on peut le voir ici. Et dans ce cadre-là, dans le fait d'être des prédateurs, ils vont jouer un rôle important dans le contrôle des ennemis des cultures, dans le contrôle des ravageurs, à la fois dans le jardin et dans les champs. Et ce qui leur donne forcément un intérêt important dans la gestion des écosystèmes pour essayer de limiter l'utilisation des pesticides. Alors, comment est-ce qu'ils se déplacent, ces carabes ? Ces carabes, ils peuvent se déplacer soit en marchant, comme ici, soit en volant. Et en fait, les petites espèces ont en général des ailes fonctionnelles et elles peuvent voler pour se déplacer. Et en particulier, quand il va y avoir dans une parcelle agricole une perturbation, comme un labour ou un épandage de pesticides, ils vont être capables de se déplacer du centre de la parcelle vers la bordure et de se redéployer dans le champ quand la perturbation va être passée. Pour les espèces de plus grande taille, alors petite taille pour un carabe, c'est quelques millimètres, et grande taille, c'est entre 1 et 3 centimètres. Donc, ces espèces de grande taille sont plutôt aptères, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'ailes, ou elles ont des ailes qui sont présentes, mais qui ne leur permettent plus de voler. Et ces espèces, donc, marchent pour se déplacer. Elles vont marcher à des vitesses et sur des distances différentes selon les espèces, avec une espèce comme Abax parallelepipedus, sur laquelle je vais revenir souvent pendant mon exposé, qui est capable de marcher 1 à 2 mètres en 48 heures, jusqu'à des espèces qui peuvent marcher sur plusieurs dizaines de mètres pendant la journée. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que je vais vous présenter l'évolution des recherches et nos principaux résultats sur cette zone atelier armorique et sur le site de Plaine Fougère. Donc, le site de Plaine Fougère est situé ici, vous voyez, au sud
du Mont-Saint-Michel, avec un paysage de bocage ici, qui est adjacent au polder de la baie du Mont-Saint-Michel. Dans cette zone de bocage, on a identifié trois paysages différents en fonction de la taille des parcelles et du nombre de haies qui sont présentes dans les paysages. Et j'y reviendrai plusieurs fois dans mon exposé, donc avec trois sites qu'on a appelés A, B et C, et que je vais continuer à appeler A, B et C ce soir, même si ce n'est pas très évocateur. Donc dans ces sites, donc ici vous avez la zone atelier dans son ensemble, avec ces trois sites ici. Donc au sud, on a un paysage qui est caractérisé par des petites parcelles, beaucoup de haies, et l'occupation du sol est dominée par des prairies, prairies temporaires ou prairies permanentes. Au nord, on va avoir un paysage dominé par des grandes parcelles, très peu de haies, et l'occupation du sol est essentiellement des cultures en rotation, des cultures qui sont donc semées tous les ans. Donc cette zone atelier, je vous ai dit, c'est un dispositif du CNRS, mais qui fait partie aussi du réseau des sites de recherche écologique à long terme au niveau international. Et donc l'objectif est bien de comprendre les effets conjoints de la dynamique des paysages, de l'agriculture et de la biodiversité, avec comme hypothèse forte qu'il n'y a pas concomitance entre ces différentes dynamiques et qu'on peut avoir des effets retard d'une dynamique sur un autre type de dynamique. Pour ce qui est des paysages, vous avez ici illustré l'évolution du paysage dans le site le plus ouvert, le site C, où on a entre 1966 et 1990 un agrandissement des parcelles et une diminution des haies. Et ceci est lié à l'arrivée dans nos territoires de la culture du maïs de façon intensive à partir des années 70. Entre 90 et 95, il y a eu sur cette commune et sur ce site C un remembrement qui a poursuivi l'évolution déjà anticipée des paysages avec agrandissement des parcelles et suppression encore de quelques haies. Donc, pour ce qui concerne l'agriculture, ces paysages sont caractérisés donc pour l'agriculture et le paysage, caractérisés donc par un réseau de haies. C'est vraiment des paysages bocagers avec des haies et des boisements. L'agriculture est essentiellement orientée vers la production laitière et les principales cultures sont les céréales d'hiver, le maïs et les prairies temporaires. La taille moyenne des champs sur l'ensemble de la zone est de 1,3 hectare. Je vous l'ai dit, notre approche de travail sur la zone atelier est bien d'essayer de comprendre l'effet de la structure et de la dynamique des paysages sur les processus écologiques et en particulier sur la biodiversité. Et donc, en travaillant sur les paysages, on identifie dans ces paysages deux types principaux d'éléments, donc des réseaux avec les réseaux de haies dont on a déjà parlé, mais aussi des réseaux routiers, des réseaux hydrographiques, donc des éléments linéaires qui vont avoir très souvent comme fonctionnement l'idée de conduire des flux de matière, d'eau, mais aussi de pollution, mais aussi des flux d'animaux et de plantes. Et puis des éléments en deux dimensions, des parcelles ou ce qu'on appelle dans notre jargon des taches ou des patches en anglais, et qui vont être ces éléments, soit des éléments semi-naturels, et on va appeler éléments semi-naturels dans un paysage tous les éléments qui ne concourent pas directement à la production agricole. Donc ça va être les bois, les bosquets, les landes, par exemple, et puis des éléments qui, eux, participent à la production agricole, que sont les cultures, comme ici, avec une céréale, et les prairies, avec des prairies permanentes et beaucoup de prairies temporaires, qui sont utilisées par l'agriculteur de façon intensive et qui sont plus proches, finalement, des cultures que des éléments semi-naturels. Donc, ces paysages, ils diffèrent, on l'a vu, selon leur structure,
Et dans la structure, on y reviendra dans le reste de cet exposé, on va retrouver deux éléments principaux, deux caractéristiques principales. La première, c'est la composition, c'est-à-dire quel est le pourcentage, la proportion relative des différents éléments dans le paysage, avec par exemple dans le site le plus fermé, une dominance des prairies temporaires, alors que dans le site le plus ouvert, on va avoir une dominance des cultures. Un autre élément de la structure du paysage, c'est l'arrangement spatial, la configuration spatiale. Et on va voir qu'elle joue un rôle important, à la fois par ce qu'on appelle le grain du paysage. Le grain du paysage, ça représente la taille moyenne du parcellaire, avec ici, pour le site du sud de notre zone d'atelier, un paysage à grain fin, et pour le site nord, un paysage à grain grossier. On va avoir aussi comme élément important la connectivité et on va voir notamment le rôle de ces éléments linéaires qui permettent de relier entre des habitats semi-naturels dans le paysage, par exemple. Et puis, on va avoir aussi la question élément de l'arrangement spatial, tout ce qui est fragmentation du paysage, c'est-à-dire le fait que des tâches d'un même élément du paysage sont plus ou moins isolées et sont de taille de plus en plus petite. Plus les tâches vont être isolées et de petite taille, plus on va dire que le paysage est fragmenté. Donc simplement là pour vous préciser cette notion de connectivité qui vous allez voir va être importante dans nos recherches et dans nos résultats, on appelle la connectivité l'ensemble des éléments qui vont favoriser ou limiter le mouvement d'un organisme dans le paysage. Ici vous avez représenté trois espèces forestières dans le paysage de Plaine Fougère, un carabe ici forestier, un petit mammifère forestier, le campagnol roussâtre, et puis un autre petit mammifère forestier, le mulot sylvestre. Pour le carabe, donc Abax parallelepipedus qu'on retrouve, et puis ce campagnol roussâtre, ils ne vont se déplacer dans le paysage qu'en suivant les éléments boisés. Donc la connectivité va être assurée par l'adjacence entre les haies et entre les haies et les bosquets. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'elle ne va pas se traduire à la même échelle, l'espace qu'elle va prendre en compte va différer selon le fait qu'ici on a une espèce qui se déplace très peu et donc la connectivité va se mesurer sur un espace réduit, alors qu'il va être beaucoup plus important pour le campagnol roussâtre qui lui est capable de faire plusieurs centaines de mètres dans la nuit. Par contre, pour le mulot sylvestre, c'est aussi une espèce qui va passer l'hiver dans les haies, mais au printemps, quand les cultures vont être développées, quand la végétation va être suffisamment dense, il va être capable de s'installer dans les champs, en particulier les champs de pois qu'on pouvait avoir sur notre territoire, de s'y reproduire et de traverser cette haie pour rejoindre cette parcelle pour rejoindre une haie de l'autre côté. La connectivité va être représentée ici par l'ensemble des haies plus l'ensemble des parcelles dont la végétation va être suffisamment développée. Donc, quelles sont les questions qu'on s'est posées quand on a commencé à travailler sur ces carabes, donc sur la zone atelier ? La première était liée finalement aux transformations de paysage qui étaient importantes, donc suite à l'arrivée du maïs et suite à la mise en place des remembrements. Et donc une des premières questions a été de savoir quels étaient les carabes qui vivent dans les haies et dans les bois et quelles sont donc ces espèces qui pourraient être mises en danger par la transformation des paysages et par la disparition des haies du bocage. Deuxième question, une fois identifiées ces espèces, quel est le rôle de la structure et de la dynamique du paysage sur ces carabes et est-ce que la connaissance de cet effet nous permet de gérer ou de donner des conseils pour gérer les paysages pour conserver ces espèces. Enfin, plus tard, on a quitté un petit peu la haie, notre vision un peu monomaniaque du paysage, pour aller vers les autres éléments de paysage et essayer de comprendre quelles sont les espèces qui sont présentes globalement dans les paysages. Et puis, le dernier aspect,
ça a été de se dire, on était parti vraiment au départ sur une idée conservation des espèces, compréhension de l'organisation des communautés, et puis plus récemment, donc on s'est posé la question de savoir quel était le lien entre la haie et le champ, et comment est-ce qu'on allait pouvoir identifier le rôle des carabes en tant qu'ennemis des ravageurs des cultures. Donc, ce qu'il faut savoir avant de démarrer, et ce qu'on connaissait quand même avant de démarrer nos recherches, c'est qu'en fait, les communautés, c'est-à-dire les assemblages, les espèces de carabes qui sont présentes à un moment donné, à un endroit donné, sont différentes entre les cultures, les prairies et les éléments boisés. Donc, dans les prairies, ici, on a des espèces de taille intermédiaire à grande, et avec, pour nous, par exemple, sur la zone atelière maurique, ce carabe, le carabe doré, Carabus auratus, qui est parfois très abondant dans les prairies que l'on étudie. Dans les cultures, on a des carabes de plus petite taille, donc de taille petite à intermédiaire, avec deux espèces qui sont très souvent dominantes dans nos études, que sont Pterosticus melanarius, ici, et Poecilius cupreus, ici. Et enfin, dans les bois et dans les haies, on a des espèces forestières, avec toujours ce petit carabe fétiche Abax parallelepipedus, et puis un autre, par exemple, qui est Cretocarabus intricatus, que je vous ai mis, parce que c'est celui que je préfère, parce qu'il a des couleurs bleues métalliques qui sont assez magnifiques. Donc, les questions qu'on s'est posées avec les carabes, c'était comment la biodiversité change quand les paysages sont différents. Quelle est la biodiversité des éléments boisés, donc des haies et des bosquets, qui caractérisent nos paysages bocagers? Et enfin, la dernière, comment favoriser, et est-ce qu'on peut favoriser les carabes en tant qu'ennemis naturels des ravageurs des cultures dans ces paysages agricoles? Donc, la première partie de mon exposé s'adresse à la biodiversité au niveau du paysage. Et ce qu'on a pu montrer, donc toujours dans ces trois paysages différents sur la zone atelier, c'est que si on regarde les carabes des haies dans ces trois paysages, donc on a une centaine de haies qui ont été suivies depuis 10 ans maintenant dans ces trois paysages, et on a pu montrer que dans le paysage le plus fermé ici, dans les haies, on a une dominance de ces espèces de couleur verte qui sont les espèces forestières, et un petit peu d'espèces de culture. Mais dès qu'on passe dans les paysages intermédiaires, puis dans les paysages très ouverts, la part des espèces forestières diminue, voire disparaît complètement, pour avoir une dominance, une très large dominance, des espèces de culture, même dans les haies. On a essayé de comprendre quels étaient les facteurs qui nous permettaient d'expliquer ces résultats. Et là, c'est un travail qui a été réalisé par Rémi Duflo dans sa thèse sur 20 paysages de 1 km carré situés au nord de l'Ille-et-Vilaine et qui varie selon un double gradient à la fois de pourcentage d'éléments semi-naturels, c'est-à-dire que la structure des paysages varie selon la proportion relative de ces éléments semi-naturels et puis donc comme descripteur de la composition des paysages, et la longueur des interfaces c'est-à-dire des adjacences, des continuités entre prairies et éléments semi-naturels en ce qui concerne un descripteur de configuration d'arrangement spatial des paysages. Et ce qu'il a pu montrer donc dans ses résultats, c'est que dans les paysages les plus ouverts, là où on a le moins d'éléments semi-naturels boisés, on a des petites espèces qui volent, en général sans leur avion, mais qui volent, et qui se reproduisent au printemps. Et puis, dans les paysages les plus fermés, les plus boisés, on a des espèces de grande taille qui marchent et qui se reproduisent à l'automne. Donc, il a montré que les communautés sont bien différentes quand la proportion des cultures et des éléments semi-naturels varient dans les paysages,
Mais il a montré aussi que cette composition des communautés varie avec la longueur d'interface entre les prairies et les cultures. On a montré ici, donc, dans les paysages où on a beaucoup d'interfaces prairie-culture, comme sur cette diapositive, qu'on avait plus d'espèces au niveau du paysage que dans les paysages où on a une dominance des adjacences, donc des continuités entre bois et culture et bois et prairie. Un autre élément important qu'il ne faut surtout pas oublier quand on travaille sur des paysages agricoles, c'est le rôle des systèmes de production et des pratiques agricoles. Et dans un autre projet européen qui s'appelait Green Veins, et dans lequel on avait utilisé des données récoltées sur la zone atelier, il a pu être montré que l'intensité de l'agriculture explique la part la plus importante de la variation des communautés de carabes. Ensuite vient le rôle des éléments semi-naturels, comme on l'a déjà vu, et puis les conditions locales avec les pratiques agricoles développées à la parcelle. Et ce qu'on a pu montrer aussi sur les carabes, c'est que la connectivité, donc le fait que la connectivité des éléments boisés expliquait la variabilité dans la taille des carabes. C'est ce qu'on a vu notamment dans les résultats obtenus entre les sites A, B et C de la zone atelier armorique. Donc pour conclure sur cette première partie, on a pu montrer l'importance des éléments semi-naturels, donc leur proportion relative et leur configuration, et en particulier la connectivité entre éléments semi-naturels pour expliquer la répartition des carabes dans les paysages. Et ce qu'on a montré aussi, et qu'il faut vraiment ne pas oublier, c'est l'importance de l'intensification de l'agriculture pour expliquer aussi cette diversité, avec une diminution donc de la richesse spécifique quand l'intensité de l'agriculture augmente. La deuxième partie de mon exposé a trait aux espaces boisés semi-naturels dans les paysages, et on s'est demandé donc quelle était la biodiversité qui caractérisait ces éléments si emblématiques de nos paysages et quels étaient les facteurs qui pouvaient expliquer son maintien dans les paysages. Donc une première étude nous a permis d'identifier trois types d'espèces parmi les espèces forestières, donc des espèces que j'ai appelées intérieures de forêt, c'est-à-dire qui vivent la quasi-totalité de leur cycle dans la forêt. Et comme exemple, on avait pour nos sites ateliers comme espèces intérieures de forêt Procustes purpurescens. Ensuite, des espèces qu'on a appelées des espèces péninsules, c'est-à-dire qui sont présentes dans la forêt, sont présentes dans les haies, mais jusqu'à une distance de quelques centaines de mètres, et ensuite elles disparaissent. Donc on suppose que pour ces espèces, il faut toujours qu'il y ait un flux d'individus venant de la forêt pour renforcer les populations, pour leur permettre de rester présentes dans les haies du bocage. Et enfin, on a des espèces qui vont être présentes sur la totalité du réseau bocager, présentes dans les bosquets qui sont connectés à ces haies et que j'ai appelées des espèces forestières. Et là, on retrouve notre espèce fétiche, donc Abax parallelepipedus, comme exemple. Il y en a d'autres. Donc, ce qui est important, donc on l'a vu, on va parler maintenant essentiellement de ces espèces corridors qu'on va trouver sur l'ensemble des haies du bocage. Et donc, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'en fait, leur abondance dépend de la qualité de la haie. Si les haies sont de faible qualité, c'est-à-dire que la végétation de la haie est formée comme ici, par exemple, des haies qu'on peut trouver très fréquemment dans le bassin rennais avec des haies, des arbres émondés régulièrement, une strate arbustive quasiment inexistante et une strate herbacée qui peut être aussi quasiment inexistante si elle est pâturée par les animaux de chaque côté du talus. Donc on a une végétation éparse. Et dans ce cas-là, on a
quasiment, on a peu, voire pas, d'espèces forestières, même si cette haie est connectée à un réseau. Par contre, si on a une haie avec une végétation très développée, donc à la fois une végétation arborescente, mais aussi une végétation herbacée dense et bien développée, donc on les a appelées haies de bonne qualité, à ce moment-là, on va avoir, si cette haie est connectée à d'autres haies, on va avoir une abondance importante de carabes. Et puis, des éléments particuliers du paysage, ce sont les chemins creux, les chemins bordés de haies parallèles, dans lesquels on va retrouver des conditions d'ombrage et d'humidité qui miment bien celles de la forêt et dans lesquelles on va avoir une abondance très élevée de ces espèces forestières corridors. On retrouve ce même effet de la qualité des haies sur les mouvements des espèces. Et ici, donc, c'est des travaux qui ont été réalisés par Sophie Charrier, qui a suivi des carabes ici équipés de diodes avec un radar harmonique et qui a pu retracer des trajectoires de carabes dans les bois, dans les chemins creux, dans les haies de végétation dense et dans les haies de végétation parsemée. Oui. Et ce qu'elle a pu montrer, c'est que si les patrons, c'est-à-dire les formes des mouvements sont similaires, c'est-à-dire qu'on a des angles de changement de direction qui sont similaires, quels que soient les éléments du paysage, elle a pu montrer que la distance moyenne couverte par unité de temps et puis la surface occupée pendant l'étude était plus importante dans le bois et puis diminuait quand on perdait dans la qualité de la végétation depuis le chemin creux jusqu'à la haie à végétation clairsemée. Donc importance du réseau de haies, mais importance aussi de la qualité des haies. Donc comme je vous l'ai dit, ces chemins creux ont un rôle particulier dans les paysages parce qu'on va y trouver beaucoup d'espèces forestières et puis que dans ces chemins creux, les espèces forestières vont se déplacer facilement, ce qui fait que ces chemins creux vont jouer le rôle de corridor, c'est-à-dire de conduit pour le mouvement de ces coléoptères carabiques forestiers et donc vont augmenter la connectivité au niveau du paysage pour ces espèces. Donc on a pu montrer avec des modèles de dynamique de population qu'ils ont un effet positif sur la dynamique des populations de ces coléoptères carabiques. Maintenant, donc, on a vu que les espèces forestières elles étaient présentes dans les haies, dans les bosquets, et on a pu définir un fonctionnement de ces espèces qu'on appelle en métapopulation. Ça veut dire qu'on a un ensemble de petites populations locales donc installées dans les bosquets et dans les intersections de haies et principalement de chemins creux, que des individus se dispersent d'une population vers une autre population, et on a pu montrer qu'elle le faisait essentiellement en utilisant des haies et des haies de bonne qualité. Et puis, donc c'est important parce que ces petites populations locales peuvent être sujettes à extinction. Par exemple, quand il va y avoir un chablis ou quand un agriculteur va récolter le bois dans son bosquet, la population locale va disparaître. Mais tant qu'il y a des haies connectées, tant qu'il y a des haies connectées, en fait, il va y avoir possibilité d'individus qui vont venir recoloniser l'espace vacant ou bien qui vont venir conforter une population dont la taille est devenue critique pour sa survie. Donc ça, c'est un schéma de fonctionnement donc d'Abax parallelepipedus dans le paysage bocager. On montre donc que la connectivité est importante pour la survie de ces espèces dans les bocages. Et si on passe maintenant au niveau du paysage, on montre qu'en fonction de l'index de connectivité ici, on a plus cet index de connectivité, c'est-à-dire plus le degré le paysage est connecté, plus on va avoir d'abondance de ces espèces forestières
dans le paysage. Donc plus le paysage est connecté sur une échelle de 500 mètres autour des haies, plus on va avoir plus les carabes vont être abondants dans ces haies. Donc dans les rôles importants qu'on reconnaît aux haies du bocage, c'est un des rôles importants est celui de corridor, donc qui va permettre ces échanges entre les populations locales. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que ce rôle de corridor dépend aussi de la structure de ces haies, et en particulier de leur longueur et de leur largeur. Et ce qu'on peut voir ici sur ce graphique, c'est que la probabilité de passage entre deux bosquets va dépendre de la largeur de la haie, c'est-à-dire que si on a une haie relativement large pour ce qu'on peut trouver en Bretagne, c'est-à-dire de 5 mètres de large, la probabilité de passage va être plus la distance possible parcouru par un carabe entre deux bosquets va être plus longue que si on a une haie de largeur plus faible. Donc, importance de la largeur et de la longueur, c'est ce qu'on retrouve ici avec une probabilité de passage qui augmente avec la largeur de la végétation et qui est plus forte, bien sûr, pour les haies qui relient des bosquets sur une distance de 60 mètres que pour des haies qui relient des bosquets sur une distance de 80 mètres. Donc, on a pu montrer dans nos recherches que la qualité de la végétation, la structure des haies, leur largeur et leur longueur étaient importantes pour expliquer la présence de ces espèces forestières dans les paysages. Et donc, on a pu maintenant développer, grâce à la télédétection, des nouveaux outils qui nous permettent de cartographier nos paysages en fonction de ces paramètres et donc d'avoir des meilleures prédictions de la présence de ces espèces forestières dans les paysages. C'est ce qu'on a fait ici avec le radar TerraSarix, qui permet donc de cartographier la densité de la végétation dans les haies. Pour chaque pixel de la haie, on a une valeur de végétation qui est une valeur d'entropie et qui est proportionnelle à, ici, la densité de la canopée, c'est-à-dire la densité des branches qui sont situées au vertical de chacun des points. Donc avec des entropies fortes pour des haies très denses avec une canopée dense et des entropies faibles pour des haies avec une canopée éparse. Et donc grâce à ça, on peut cartographier sur des paysages de grande dimension des habitats pour les carabes, et on a pu montrer donc qu'on pouvait modéliser la présence de ces espèces forestières en prenant en compte la structure de la végétation au niveau local, c'est-à-dire dans les haies et en fonction de la diversité des pixels, de la végétation des pixels présents dans chaque haie, et puis en fonction aussi de la densité, de la qualité et de la densité des haies dans un paysage, dans le contexte paysager, sur une superficie allant jusqu'à 350 mètres autour de chaque point de haie. Un autre élément important pour expliquer la présence des haies, c'est au niveau des espèces forestières, c'est au niveau local, quelles sont les pratiques de gestion des agriculteurs. Les agriculteurs, ils peuvent utiliser le feu, ils peuvent faucher, ils peuvent ne pas entretenir, ils peuvent utiliser des herbicides. Et donc, bien sûr, ça aussi, ça a un rôle sur la présence de ces espèces forestières. Et on a regardé toujours sur la zone atelier armorique, dans des paysages, donc en partant de paysages avec peu d'éléments boisés jusqu'à des paysages avec beaucoup d'éléments boisés, on a comparé la présence de l'abondance de ces espèces forestières avec trois types de gestion des bords de champs, soit pas de gestion du tout, soit utilisation d'herbicides, soit pâturage de part et d'autre de la haie. Et on a pu montrer
que dans le cas où il y a peu de gestion, en fait, les espèces forestières sont abondantes dès qu'on a un paysage relativement fermé, relativement boisé. Par contre, si on utilise de l'herbicide, même si le paysage ici est très fermé, avec beaucoup d'éléments boisés, on va avoir très peu de ces espèces forestières dans les paysages. Donc on a une situation intermédiaire ici pour le pâturage. Donc ça montre encore ici que les conditions locales de la haie doivent être prises en compte en même temps que la structure du paysage pour comprendre la répartition de ces espèces forestières d'intérêt de conservation dans les paysages. Un autre élément qui est important, c'est ce qu'on appelle la dette d'extinction, c'est-à-dire que dans ces paysages qu'on a vus relativement dynamiques, c'est-à-dire qui varient rapidement dans le temps, la présence des espèces à un moment donné ne dépend pas uniquement de l'état du paysage à cet instant donné. Donc ici, on a étudié la distribution toujours d'Abax parallelepipedus dans des paysages en 1993, et on l'a mise en relation avec ce paysage en 1993, en 1974 et en 1952. Et on a regardé quel était l'état du paysage qui expliquait le mieux la diversité de la distribution de ces espèces. Et on a pu montrer qu'en fait, c'était l'état en 1952, parce que, par exemple, pour cette population locale donc présente en 1993, en 1952, elle était directement connectée à un bois et indirectement connectée à un deuxième bois, alors qu'en 1993, elle se retrouve isolée. Et donc, en 1993, il ne peut plus y avoir d'individus qui dispersent depuis les sources que sont ces bois pour venir conforter la population si elle a un problème, si elle perd des individus. Et donc, on a pu montrer, en connaissant l'écologie des caraves, que ces populations locales pouvaient rester en place plusieurs décennies, mais que par contre, elles étaient des populations à risque dans la mesure où, au moindre accident environnemental, elles vont disparaître des paysages. Enfin, sur cette zone atelier, je vous l'ai dit, l'intérêt, c'est d'avoir des études à long terme. Et on a suivi donc des communautés de carabes depuis 1991 jusqu'à 2016. Enfin, pas toutes les années, mais un certain nombre d'années. Et on a essayé de comprendre. Donc, ce suivi a été fait ici, donc à l'interface entre le bocage et le polder. Et on a essayé de comprendre quels étaient les effets des changements à la fois de pratiques agricoles et de paysages sur les communautés de carabes. Donc pendant cette période, la dynamique du paysage a consisté en la suppression d'un certain nombre de haies, mais surtout par un abandon de la gestion de la strate arborescente qu'on peut voir ici avec des arbres dont les branches sont développées de façon importante, à la fois à proximité des prairies permanentes, comme ici, mais aussi le long des chemins. On a donc une diminution de la connectivité du paysage, mais une augmentation, on pourrait dire, de la qualité des haies. Et donc, contrairement à ce à quoi on s'attendait, avec un paysage plus ouvert et donc moins d'espèces forestières, on a trouvé en fait que les espèces forestières étaient plus abondantes en 2016 qu'en 1990, et ceci notamment en lien avec deux espèces principales, Pterosticus madidus et Abax parallelepipedus, qui sont des espèces forestières. Et donc là, on en a conclu que la perte du réseau de haies était compensée par une meilleure qualité de l'habitat au niveau local. C'est-à-dire que les haies avaient une végétation plus développée, plus dense, étaient donc de meilleurs habitats pour les espèces forestières. Donc en conclusion de cette partie, on a montré donc que les haies sont des habitats pour les espèces forestières, que leur qualité dépend de la structure de leur végétation et de la structure du paysage environnant, qu'elles peuvent jouer le rôle de corridor, et que les chemins creux bordés de deux haies sont des éléments clés dans nos paysages agricoles. Enfin, la dernière partie de mon exposé
trait aux questions qu'on se pose et que beaucoup de mes collègues se posent aussi, c'est comment favoriser ces carabes en tant qu'ennemis naturels des ravageurs des cultures dans les paysages agricoles. Donc ce qu'on sait, et ça c'est des résultats du projet Green Veins dont je vous ai parlé, mais de nombreux travaux publiés par ailleurs l'ont montré, c'est que quand on passe dans d'un paysage ici avec beaucoup d'éléments semi-naturels, vous avez ici en vert les prairies permanentes et les bosquets et les haies, à des paysages avec moins d'éléments semi-naturels, on va avoir une diminution ici, donc éléments avec beaucoup d'éléments semi-naturels et peu d'éléments semi-naturels ici, donc une diminution des espèces qui sont auxiliaires, qui sont donc des ennemis des ravageurs, avec, c'est le cas pour les carabes, c'est le cas pour des sirfs dont les larves sont prédatrices, sont des petites mouches, sont des mouches dont les larves sont prédatrices, et des araignées. Donc c'est quand même un résultat qui est relativement connu et relativement bien démontré pour beaucoup de groupes d'ennemis naturels. Et ce qu'on a essayé de comprendre là aussi, c'était quels étaient les éléments du paysage qui étaient responsables de cette réponse des carabes quels étaient les éléments du paysage qui étaient responsables de cette réponse des carabes. Et toujours sur le même protocole, donc Rémi Duflo s'est attaché à essayer de comprendre quels étaient ces éléments importants. Et il a pu montrer que les interfaces, c'est-à-dire les adjacences entre les cultures et des éléments semi-naturels que sont les éléments boisés, les haies et les bois, augmentent l'abondance des carabes et la richesse spécifique, c'est-à-dire le nombre d'espèces présentes dans le maïs. Et il explique ça par le fait qu'il y a probablement un spillover, c'est-à-dire un débordement entre les habitats boisés semi-naturels vers les cultures, c'est-à-dire qu'on va avoir des carabes qui vont passer une partie de leur cycle de vie dans la haie et qui vont pouvoir se disperser vers la culture adjacente quand la culture va se développer. Donc en printemps pour les céréales d'hiver et puis un débordement aussi relativement important en automne dans le maïs. Un autre point important, pour le moment, on s'est attaché beaucoup à... Je me suis attachée plutôt à parler essentiellement des haies, de connectivité entre éléments boisés, mais la mosaïque des cultures joue aussi un rôle vraiment important dans le fonctionnement des carabes au niveau du paysage. Et là, c'est des travaux donc menés par Colette Bertrand qui a pu montrer que la taille des champs a un effet négatif sur l'abondance et sur la richesse spécifique des carabes. C'est-à-dire que quand on va avoir des paysages comme on a ici avec des petites parcelles, pardon, on va avoir plus d'espèces et de plus nombreux carabes que quand on a des paysages qui sont dominés par des grands parcellaires. Et ceci peut s'expliquer aussi parce que quand on a des petites parcelles, la distance à la bordure et à une zone à partir desquelles on peut avoir un débordement d'insectes, un spillover, va être plus petite. Donc les parcelles vont être plus dépendantes de ce spillover que quand on va avoir des grandes parcelles ici dans le paysage. Et on voit ici donc la richesse spécifique, le nombre d'espèces de carabes qui décroît en fonction de la taille moyenne des parcelles dans le paysage. On revient sur l'importance des systèmes de production. Et donc, Camille Puech a travaillé non plus sur la zone nord de l'Ille-et-Vilaine, mais sur la zone sud de l'Ille-et-Vilaine, sur un gradient de paysage dans lequel la proportion de terres en agriculture biologique varie. Et elle a pu montrer que la diversité des pratiques agricoles a un impact sur les éléments, sur ses ennemis naturels et en particulier sur les carabes. Elle a pu montrer, dans un premier temps, à l'échelle locale, que l'abondance et la richesse des ennemis naturels sont affectées par les pratiques à l'échelle locale, à l'échelle de la parcelle,
avec une diversité d'espèces plus importante dans les champs cultivés en agriculture biologique que dans les champs cultivés en agriculture conventionnelle. Pardon. Elle a montré, comme on avait pu montrer pour, au niveau du paysage, qu'il y avait un effet positif de la longueur et de la configuration des haies dans le paysage sur l'abondance et la diversité des carabes. Mais par contre, elle n'a pas pu mettre en évidence l'importance de la proportion relative de terres en agriculture biologique sur la biodiversité. C'est-à-dire que dans les paysages où il y avait proportionnellement plus de terrains cultivés en agriculture biologique, elle n'a pas pu montrer que ça avait un effet sur la biodiversité au niveau du paysage. Enfin, un autre effet important, toujours, on a vu tout à l'heure pour les carabes forestiers, importance de l'histoire. Et là, pour les carabes des champs, on a pu aussi mettre en évidence un rôle de l'histoire récente, et notamment de la dynamique liée aux rotations culturales. Vous avez ici un même paysage entre 2008 et 2012, et vous voyez que l'occupation du sol, c'est-à-dire la distribution et la répartition des différents types de cultures, avec en jaune les céréales d'hiver, en orange le maïs et en vert les prairies permanentes, varie d'année en année, et que cette variation représente une portion plus ou moins importante du paysage. Et donc là, on a pu montrer aussi que cette dynamique, cette rotation culturelle, avait un effet sur les coléoptères carabiques, avec une abondance totale des coléoptères carabiques qui augmente avec l'hétérogénéité temporelle, c'est-à-dire avec cette dynamique du paysage. Plus l'hétérogénéité du paysage varie dans le temps, et plus on va avoir de coléoptères carabiques. Et on a pu montrer ainsi que les petites espèces sont plus abondantes dans les paysages avec une hétérogénéité spatiale là forte, tandis que les espèces moins mobiles sont influencées positivement par la dynamique temporelle. Enfin, plus localement, on a pu mettre en évidence le rôle dans la mosaïque paysagère de l'organisation des cultures. Et on a par exemple ici un champ de maïs et un champ de blé, au printemps ici et à l'automne. Donc au printemps, la culture de blé est bien développée, alors que sur la culture de maïs, on a encore du sol quasiment à nu. Et donc les mouvements se font depuis le maïs vers le champ de blé. Ensuite, au courant de l'année, il y a la récolte des céréales d'hiver. Et entre le mois d'août et le mois de septembre, là, on est sur la culture de blé, il n'y a plus de végétation, alors que la culture de maïs est bien développée. Et donc là, les mouvements d'insectes se font depuis le champ de blé vers le champ de maïs. Et on a donc ainsi, au cours de l'année, un changement des flux d'insectes entre ces deux types de cultures, avec des mouvements de carabes qui se font depuis les parcelles à végétation éparse vers les parcelles à végétation dense. Et ceci peut s'expliquer parce qu'en fait, ces parcelles offrent des ressources complémentaires dans le temps aux carabes et donc influent sur leur développement, sur leur déplacement, pardon. Et ça se traduit au niveau du paysage, ici, par le fait que si on augmente l'interface entre les champs de maïs et les champs de blé, on va avoir ici une augmentation de l'abondance des carabes dans les paysages, dans les cultures. Et donc, on revient ici sur cette idée de taille des parcelles, et on peut penser que si on diminue la taille des parcelles, statistiquement, on aura plus de ces adjacences entre parcelles de blé d'hiver et parcelles de maïs, et donc on pourra augmenter l'abondance des carabes. Donc en conclusion de cette dernière partie, les éléments semi-naturels, donc on l'a montré, sont source d'espèces pour les champs cultivés, mais, et ça c'est important, la mosaïque des cultures a aussi un rôle important à travers sa dynamique, la taille des champs,
et la configuration spatiale entre les cultures d'hiver et les cultures de printemps. En conclusion générale de mon exposé, donc sur ces 25 ans de recherche, on a pu montrer donc que les carabes sont présents dans les différents éléments du paysage, que les haies jouent un rôle clé pour les espèces forestières et en tant qu'habitat et corridor, et que ce rôle dépend de la qualité de leur végétation et de la connectivité du réseau. On a pu montrer qu'il y avait des mouvements entre ces éléments de différentes natures, et en particulier entre les éléments semi-naturels et les cultures. Et on a montré aussi que les cultures peuvent favoriser les carabes en fonction des types de pratiques agricoles, de leur dynamique et de la taille des parcelles. Alors vous allez me dire, vous avez déjà fait beaucoup de choses, mais je pense que en tous les cas, ce colloque le montre bien, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour comprendre la dynamique et la présence de ces insectes dans nos paysages. Et donc parmi les quelques questions qu'on a pu identifier, une première, et c'est un projet qu'on a actuellement, c'est d'améliorer la modélisation des espèces forestières, donc d'intérêt de conservation à l'échelle du paysage, pour donner aussi des indications à nos gestionnaires pour conserver ces espèces, connaître mieux les réseaux trophiques dans les parcelles agricoles, parce qu'on a montré que les carabes étaient capables de manger des pucerons, mais on ne sait pas quelle est la part des pucerons qui est vraiment mangée par des carabes ou qui est prédatée par d'autres prédateurs tels que les coccinelles ou qui est parasitée par des guêpes parasitoïdes. Et puis, toutes ces recherches devraient nous permettre de produire des guides, des conseils de gestion à la fois pour la conservation des espèces et pour le contrôle biologique dans les parcelles agricoles. Merci à tous mes collègues dont j'ai cité les travaux ici. Et puis, merci pour votre attention. Et merci et bravo aussi à un monsieur qui se trouve ici au premier rang de cette salle, monsieur Le Flemme, qui a réalisé les très jolis dessins de carabes que vous aviez pu voir pendant cette communication. Alors voilà, on se donne encore quelques minutes pour répondre à vos questions, si vous en avez. Vous me faites signe, on vous donne le micro. Voilà, c'est parti. Dès que vous voulez, monsieur... On vous donne le micro. Angelica arrive auprès de vous. Bonsoir et merci pour cette conférence. Je voulais savoir, connaît-on le mode de vie des carabes, à savoir s'ils vivent en groupe ou plutôt solitaire? Et est-ce que ça a un impact sur leur répartition? Oui, alors donc ça dépend un peu des carabes. Il y a des carabes qui sont distribuées vraiment de manière très agrégée, en particulier des petites espèces, et puis d'autres espèces qui ont plutôt tendance à vivre de façon solitaire et à se déplacer un petit peu de façon aléatoire dans les éléments du paysage. Après, quel est l'impact précis sur leur cycle de vie et leur abondance, je ne saurais pas, mais j'ai peut-être des collègues dans la salle qui sont plus à même que moi de répondre à cette question. Non, il n'y a pas l'air. Oui. Alors, une autre question ici. Le micro arrive. Oui. Voilà, ici. Faites passer. Merci. Pour les carabes, quel est leur prédateur naturel ? À part l'homme, vous voulez dire? Oui, non, bien sûr. Non. Est-ce d'autres insectes qui les attaquent, ou alors d'autres? Je suis pas experte dans la biologie des carabes, mais je sais qu'ils sont très sensibles à des champignons qu'on appelle des entomophtora, qui vont en fait détruire les carabes, et leur mortalité est souvent liée à ces champignons microscopiques. Et autrement, il y a de la prédation, bien sûr, par les oiseaux aussi, pour les grosses espèces. Mais parmi les espèces insectes, je me disais, quel est leur ennemi, quoi? Je ne sais pas, pour les insectes.
s'ils en ont un ennemi. Quelqu'un sait ? Mais ils ont... Enfin, moi, ce qu'on m'a dit, c'était essentiellement ce champignon qui était responsable de leur mortalité. Enfin, ces champignons. Oh là, ce sont les plus forts. Les carabes sont les plus forts. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, je vous en prie, monsieur. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour la conférence. Alors, vous avez fait allusion plusieurs fois à l'effet ravageur des carabes sur des espèces qui affectent les cultures. Alors, est-ce que vous avez mesuré l'impact positif dans le cas de l'agriculture biologique, de la diversité ou de la présence des carabes, au sens des insectes qui sont ravageurs à ces moments-là des cultures? Ben oui, oui. Alors, je saurais pas... Mais oui, il a été montré quand même que plus on allait avoir de diversité de ces carabes dans les paysages, plus on allait moins, enfin plus il y avait d'impact sur les ennemis des cultures. Et après, c'est vraiment, je pense, une des questions d'actualité pour tous les chercheurs qui sont là aujourd'hui, c'est d'essayer d'affiner un petit peu ça, de savoir, effectivement, on a des expérimentations où, par exemple, on permet aux carabes d'arriver, et puis à côté, on ne permet pas aux carabes d'arriver, puis on regarde quel est le taux de pucerons mangés, par exemple, et où là, dans ces expérimentations d'exclusion, on a des résultats qui sont assez convaincants. Mais donc, dans ce que je disais, et ce qui est important, c'est que dans la réalité, il y a une chaîne trophique qui est compliquée et que pour le moment, donc on essaye avec ces expérimentations d'exclusion, on essaye avec des études moléculaires qui permettent de savoir quelles sont vraiment les proies que les carabes ont mangé. Est-ce qu'ils ont mangé des pucerons? Est-ce qu'ils ont mangé des escargots, etc.? Mais après, savoir quantifier vraiment la part de chacun dans ces chaînes trophiques assez compliquées. On avance. Enfin, je pense qu'il y a pas mal des collègues aujourd'hui qui ont présenté des travaux très intéressants dans ce domaine-là, mais on n'a pas de résultats vraiment super bien quantifiés pour répondre à ça. On a des faisceaux de connaissances. Est-ce que ces études, ce travail que vous faites et que font vos collègues, intéressent le monde agricole ? Oui. Est-ce que vous avez des relations justement avec eux, vous leur faites part de ces études? Oui, bah oui, oui, oui. Non, et il y a beaucoup de travaux qui sont faits aussi en collaboration avec la profession agricole. Il y a des groupes d'agriculteurs qui vont même plus loin, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas d'avoir les résultats de la recherche pour mettre en application le fait d'avoir des bandes enherbées, des bordures de champs, etc. Et des groupes d'agriculteurs qui font eux-mêmes des suivis. Et donc, il y a bien sûr des liens forts entre la recherche et les agriculteurs. Il faudrait dire que tous les agriculteurs sont prêts à écouter ce discours, non, c'est vrai. Mais par contre, moi, je trouve qu'il y a une vitalité avec des groupes d'agriculteurs qui sont très actifs et qui vont même au-devant des résultats bien assis de la recherche. Alors, une question un petit peu bête, pardonnez-moi, mais peut-être que d'autres personnes se la sont posées. Vous avez fait souvent allusion aux prairies temporaires. Oui. Vous pouvez nous expliquer juste ce que ça veut dire une prairie temporaire? Une prairie temporaire, c'est une prairie qui est labourée au bout de 2-3, je crois que pour l'Europe, c'est jusque 5 ans, c'est ça ? Moins de 5 ans. C'est-à-dire que si elle dure plus de 5 ans, on dit qu'elle devient une prairie naturelle. Et si elle dure moins de 5 ans, on dit que c'est une prairie temporaire. C'est-à-dire qu'elle est labourée et elle repart dans les rotations de culture que j'ai montrées ici. Donc ça peut être une prairie pendant 2 ans, puis après c'est un blé, puis après c'est un maïs, et ça redevient prairie. Donc temporaire, c'est qu'elle ne dure pas. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question? Quelqu'un, oui. Quelqu'un, un micro? Allez-y, oui, oui, je vous en prie. Bonsoir. J'aurais voulu savoir si les fossés permettaient aussi cette connectivité entre les zones de bois et de prairies ou autres. Les fossés ? Oui. Oui, alors dans ce que nous on décrit comme R, en fait, en général, on inclut le fossé. Parce que sur notre zone agricole, on a un fossé qui est souvent pas très prononcé et un talus, et c'est toute cette zone-là qu'on va appeler la haie. Et donc, quand j'ai parlé de la végétation de la strate herbacée, très fréquemment, c'était de la strate herbacée du fossé aussi.
Voilà. Alors, il y a un monsieur ici. Alain, Alain, tu en avais un, juste un monsieur plus près de toi. Et puis après, tu redescends vers l'autre. Merci. Merci, bonjour. Je voulais vous poser comme question, est-ce que la dynamique que vous venez de nous présenter s'applique seulement au carab, ou est-ce qu'on peut imaginer que le carab puisse être une sorte d'indicateur pour toute la chaîne trophique alentour? Alors, ça serait trop simple. Mais effectivement, ça peut s'appliquer à vraisemblablement d'autres groupes. Et quand je parlais notamment de la connectivité, c'est vrai qu'on en a pas mal de connectivité entre espèces forestières qui vont se comporter de la même façon par rapport au paysage. Mais bien sûr, quand on va parler d'autres groupes, même d'autres groupes d'insectes, par exemple, si on parle des pollinisateurs, ils vont avoir d'autres besoins. Ça va être plutôt l'abondance de fleurs. Qui va être importante pour le carab. S'il n'y a pas de fleurs, ce n'est pas gênant, c'est vraiment de la structure de la végétation. Voilà, et monsieur qui, voilà, monsieur qui posait la question, une question aussi. Bonsoir. Donc moi, j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé des haies dans lesquelles les arbres étaient très séparés les uns des autres. Mmh. Est-ce que vous avez des cultures qui sont cultivées, enfin plutôt des parcelles qui sont cultivées en agroforesterie ? Eh ben, en agroforesterie, au sens strict de l'agroforesterie, non. Mais pour, par exemple, la Fondation de France, le bocage, c'est de l'agroforesterie. Donc, c'est quoi l'agroforesterie stricte, s'il vous plaît, madame ? L'agroforesterie stricte, c'est d'avoir dans la même parcelle, en fait, une production arborescente et une production dans la strate herbacée. C'est ça, à peu près. Hein, c'est ça. Et non, on n'a pas vraiment ça sur nos systèmes. Une autre question ? C'est fini ? Ça y est ? Vous savez tout ? Vous avez tout compris ? Et ben voilà, si vous avez quelque chose à ajouter, donc les travaux vont se poursuivre tout au long de cette semaine. Oui, jusqu'à vendredi. Vous avez vu le programme. On va parler de quoi ? Dites-nous un peu. Moi, ça m'intrigue. Ça m'intrigue vraiment ce qui va se dire là. Ben, on a parlé de. Ben, pas aujourd'hui, il y a eu toute une session sur justement les régulations biologiques, c'est-à-dire le rôle des carabes comme auxiliaires des cultures. On a eu aussi une approche plus biologique sur les caractéristiques des différents carabes et est-ce que ça pouvait expliquer leur présence dans les parcelles ou dans les paysages. Il y aura des travaux sur l'écologie du paysage jeudi, et puis je ne sais pas, Manu. Et bien voilà, ben on vous souhaite une bonne semaine carabique, est-ce qu'on peut dire voilà. Ça oui. On peut le dire.